Nous allons interviewer une ex-sorcière, une ex du satanisme, une ex des abus sataniques. Et pour des raisons de sécurité, nous n'allons pas l'identifier par son nom. Ne partez pas, nous reviendrons. Bonjour, je suis Sid Roth, votre journaliste d'investigation. Et nous faisons quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant, dans l'émission Le Surnaturel. Mon invité, son identité, est complètement masquée. Sa voix est modifiée, parce qu'elle est une ancienne sataniste. Elle sait, déjà bébé, ce que signifie subir un abus rituel. Il y aura des révélations, et des gens que Dieu va rendre libres, parce qu'elle a été libérée. Elle connaît la vérité. Et il y a tellement de gens, qui sont captifs en ce moment même. Avez-vous une idée des chiffres? Non. Ce serait probablement faramineux, à cause de ceux qui ont des liens générationnels, ceux qui ont été entraînés dans des cérémonies. Il y a des enfants élevés pour être des reproducteurs, et utilisés sous différentes formes, qui y sont, et qui croient qu'on ne peut pas en sortir. Y a-t-il eu, un moment, où vous avez cru qu'on ne pouvait pas en sortir? Oui. Il y a eu des moments qui étaient extrêmement effrayants. Et c'était des moments, où j'étais tiraillé des deux côtés, à la fois par le satanisme, par ce qui se passait, et par ce que je savais du christianisme. Une fois en particulier, c'est quand j'ai réalisé qu'il y avait des gens guéris partout dans l'église. Et que dans le satanisme, on a ce pouvoir qu'en déant le cercle. Et je ne pouvais pas comprendre cela. Excusez-moi, que voulez-vous dire par « ils étaient guéris partout dans l'église » Et dans le satanisme, on a ce pouvoir que dans le cercle. Que voulez-vous dire par là? Le satanisme a un cercle qu'ils utilisent comme cercle de pouvoir, et dans l'église chrétienne, il y avait des gens qui étaient guéris partout dans le sanctuaire. Il y avait des miracles qui se produisaient, et je ne pouvais pas expliquer cela. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y avait une plus grande puissance, dans le christianisme que dans le satanisme? Je le savais, mais j'aime l'entendre. Parlez-moi de votre passé. Est-ce que vos parents étaient dans le satanisme? Mes parents et mes grands-parents, de génération en génération. Nous avions des liens avec environ 12 différents de sectes. Est-ce typique que ce soit de génération dans le satanisme? C'est typique d'être générationnel, mais ce n'est pas typique d'être impliqué dans autant d'organisations et sectes différentes. Mais la chose que je ne comprends pas très bien, c'est que vous étiez membre de l'Église baptiste du Sud, très religieuse, en fait pendant le jour. Et dans les rituels sataniques la nuit? Comment les deux sont-ils compatibles? Ils ne le sont pas, parce qu'ils sont diamétralement opposés. Ce qu'ils avaient fait en moi, depuis que j'étais un bébé, c'est qu'ils avaient fractionné mon esprit. J'avais une partie de moi qui était impliquée dans le satanisme, et une partie de moi qui ne pouvait pas accepter ce genre de situation, et qui me gardait normal pendant la journée. Et j'ai été élevé pour faire semblant, pour garder une bonne image de ma famille. Quel était le parcours de votre père? Il était du milieu Quaker baptiste du Sud. Et quel était son rôle dans le satanisme? Il était parmi les leaders. Ok. Pourquoi un sataniste voudrait-il être un fondamentaliste convaincu de l'Église baptiste du Sud? C'est typique. Ils ont une façade qui les fait paraître normaux pour la société. De nombreux dirigeants de différentes organisations, à travers les États-Unis, et des églises officielles, sont également très impliqués dans cette secte. Quelle a été la première fois où vous avez commencé à remettre en question vos pratiques? Je pense que ce fut à différentes périodes de ma vie. Quand j'étais à l'université, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de fondamentalement anormal. Mais je ne pouvais pas dire ce que c'était. Et encore une fois, à différents moments, quand j'ai eu mes enfants, j'ai su que quelque chose n'était pas correct. Mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Et finalement j'ai abandonné l'église. Parce que je finissais le service, et je partais tellement frustré. Et pourtant, je savais que les chrétiens avaient quelque chose que je désirais, mais je ne pouvais pas comprendre ce qui n'allait pas dans ma vie, pour que je ne puisse pas me sentir aussi heureuse et satisfaite en Jésus, comme ils étaient. J'ai quitté l'église pendant tout un été. Et puis, à l'automne, je suis allé dans un café chrétien. Pourquoi êtes-vous allé dans un café chrétien? J'y étais allé pour juste acheter une carte.
Je savais alors que quelque chose n'allait pas. Mais je ne pouvais pas vraiment discerner ce que c'était. Et j'ai pensé, je vais passer par là. Donc vous étiez vraiment en train de chercher de l'aide? Oui. Juste par curiosité. Y avait-il quelqu'un que vous connaissiez aujourd'hui, qui priait pour vous, pour que vous sortiez du satanisme? Je pense qu'il y avait des gens qui priaient pour moi, mais pas nécessairement pour que je sorte du satanisme. Parce que la plupart de mes amis proches n'avaient même pas la moindre idée que cela existait. J'ai eu des gens qui ont prié, vous savez, tout au long des années. Quand j'ai quitté l'église, ce qui s'est passé, c'est que j'avais été programmé avec des hymnes, et dans les églises fondamentalistes, ces hymnes renforçaient ce qui m'avait pratiqué dans le satanisme. Ok, laissez-moi voir, si je comprends bien. Vous avez été programmé avec des hymnes, pendant des actes horribles? Mais c'était des hymnes chrétiens. Et lorsque vous alliez à l'église, et entendiez ces hymnes, vous pensiez aux actes du satanisme? Pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils veulent souiller tout ce qui est attaché au christianisme. Pour faire paraître le christianisme comme impur. Amazigh Grace par exemple. Ils commettent des actes horribles, pendant que Amazigh Grace est joué. Donc quand j'étais dans un service religieux, et ils le chantaient, j'avais de ces horribles sentiments, de terreur, de peur, juste de la confusion, ne pas savoir ce qui n'allait pas, ne pas savoir que quelque chose n'allait vraiment pas. Vous savez, une pensée a traversé mon esprit. C'est quand Dieu fait de nouvelles choses. Et en ce moment même, il prépare quelque chose de nouveau, ici même, à l'église Bethel, et dans de nombreuses églises à travers le monde, il y a de la nouvelle musique. Cela doit agacer les satanistes. Ils ne peuvent pas, vous savez, vous laver le cerveau avec le nouveau, ils ne peuvent vous laver le cerveau qu'avec l'ancien. C'est vrai. Cela leur cause une certaine confusion, parce qu'ils ne savent pas quoi faire dans des situations où les gens comprennent ces hymnes fondamentales, cela ne les aide pas. Et cela est plus fréquent que les gens se souviennent de choses liées à la secte. Que s'est-il passé dans ce café? C'était un changement dans ma vie. Parce que j'étais assise en train de prendre une tasse de café et d'écrire une carte à une amie. Quand un homme est venu et a commencé à parler de ma vie et des choses que j'avais faites. Comment a-t-il su? Il avait le don de prophétie, c'est ce que j'ai découvert plus tard. Ce qu'il vous a dit, vous a-t-il fait remuer la tête? Il avait absolument raison, à 100%. Il a parlé de différentes choses, de différentes activités où j'avais été impliqué. Il parlait très précisément. Ce n'était pas des généralités. Et cela m'a fait peur. Pourquoi? Pourquoi cela vous a-t-il fait peur? Attendez un instant, gardez ce que vous avez à dire. Nous reviendrons dans juste un instant. Ne partez pas. Bonjour. Je suis Sid Roth, votre journaliste d'investigation. Et j'interviewe une ex-sataniste. Et pour des raisons de sécurité, nous avons masqué son identité et sa voix. Vous me disiez que vous étiez à la recherche d'aide. Et que vous étiez entré dans un café chrétien et que quelqu'un s'est approché de vous que vous ne connaissez pas du tout. Et lui, comme on aime à le dire, il vous a lu entièrement. Qu'avez-vous ressenti quand il a révélé toutes ces choses sur votre vie? Cela m'a absolument terrifié. Parce que je n'avais pas grandi près de quelqu'un qui prophétise. Et donc j'ai appelé une amie, et elle m'a dit que c'était Dieu, que je dois écouter. Et étiez-vous heureuse? Ou effrayée par ce qui se passait? J'étais absolument terrifiée. J'ai juste pensé, qu'est-ce que Dieu fait? Et pourquoi cela se produit-il? Et puis, vous avez regardé une émission d'une télé chrétienne. Pourquoi regardez-vous une émission de télé chrétienne? Cette nuit-là, je savais que quelque chose s'était passé la veille. Et donc le lendemain, je regardais une émission chrétienne. Juste une sorte de recherche, essayant de comprendre ce qui se passait. Et j'ai eu une vision. Une vision? Était-ce de Dieu? Pouvez-vous décrire la vision? C'était une vision d'un vase. Et le vase avait été brisé. Et puis il y avait beaucoup de mains autour du vase, et il était en plâtre. Et puis j'ai pu voir l'écaillage du vase. Puis j'ai vu le vase, et il avait comme un arc-en-ciel, et il y avait comme une colombe qui en sortait, avec juste un jet d'eau entrant. Et à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que c'était quelque chose de puissant. Je n'ai pas besoin d'une révélation surnaturelle pour savoir ce que c'est. À présent, vous êtes venu ici pour des conseils. C'est correct. Et après une période de conseils, de nombreuses personnes qui ont subi des abus rituels ont des blocages, ce qui est une forme de protection, des choses horribles qu'ils ont vécues. Et ils ne s'en souviennent même pas. Était-ce vrai dans votre cas? C'est 100% vrai. Je n'en avais aucune idée. J'avais une vie très normale, j'étais actif dans des événements communautaires, actif dans les églises. Je suis allé dans un collège chrétien.
Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas ce que c'était, jusqu'à ce que je commence à avoir des souvenirs des rituels sataniques. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que cela fait, maintenant, d'être libre? Absolument merveilleux. J'avais de la tristesse pour toutes les années que j'ai perdues, mais j'ai aussi une joie incroyable. Bien, permettez-moi de vous poser une question très pointue, pour une raison. Que se passe-t-il, si vous entendez une chanson que vous avez peut-être été programmé de le lier au satanisme, comme vous l'avez expliqué plus tôt, qu'ils utilisent des hymnes chrétiens, lorsqu'ils font des rituels, pour vous laver le cerveau contre le christianisme d'une manière perverse? Que se passe-t-il, quand vous entendez une chanson, comme Amazing Grace? Vous savez, cela a été remplacé par Dieu. En ce moment même, j'ai de la tristesse à cause des années que j'ai perdues, et pour tous les abus. Mais j'ai une joie incroyable, et une émotion incroyable pour ces chansons. Elles ont une signification que je suis sûr, beaucoup de gens comprennent. Vous m'avez dit qu'il y a une puissance dans les églises chrétiennes qui a vaincu tout ce que le diable fait. Et c'est un mot que nous avons dans la Bible. Ça s'appelle l'amour. Comment cela vous a-t-il été démontré ici à Bethel? Quand je suis venu à Bethel, je ne pouvais pas comprendre les gens ici, parce qu'ils vous serraient dans leurs bras. Et ça c'est quelque chose que je ne faisais pas. J'étais très réservé, et je ne comprenais pas cet élan d'amour. Et il y a eu un moment où les choses étaient devenues très difficiles, à cause des différents abus que j'ai subis. Et je voulais juste abandonner, et arrêter. Et le pasteur Allen, et sa secrétaire m'ont tous deux dit ce matin-là, ils ont dit, « Vous savez, si vous partez, nous allons toujours vous aimer. Nous allons toujours prier pour vous, et nous allons prier pour votre protection. » Et l'amour est, ce qui a continué à me faire revenir. Je ne pouvais pas comprendre autre chose. Je savais qu'il y avait quelque chose d'amour ici. Et que se passe-t-il lorsque les chrétiens adorent vraiment Dieu pour un sataniste qui se serait infiltré dans l'église? La partie la plus difficile pour les satanistes dans une église, c'est quand il y a la louange. Le pouvoir de la communauté chrétienne, c'est leur louange à Dieu. Quelqu'un qui est abattu, qui pleure, et qui va mal. C'est dans la louange, le chant et l'adoration. Et c'est un moment, où souvent, vous verrez ces gens qui sont dans la secte partir. Vous m'avez aussi dit que dans le satanisme, il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont presque des contrefaçons du christianisme, authentique. Donnez-moi un exemple. Ils prendront tout ce qui est important pour le christianisme, et essayeront absolument de le pervertir. Par exemple, les éléments utilisés dans la communion, sont utilisés dans le satanisme, de manière négative. Je dois vous poser cette question. Pendant que vous étiez en conseil, vous étiez dans un état vulnérable, c'est vrai. Et ils sont venus dans l'église pour vous en faire sortir. Là, où vous vous tenez en ce moment même, toucherez-vous jamais quoi que ce soit d'abus rituel ou de satanisme? Je ne reviendrai plus jamais sur quoi que ce soit ayant un lien avec le satanisme, où qu'il soit. Et si vous pouviez donner une parole à une personne qui est un sataniste pratiquant, quelle serait-elle? Que l'amour pour Dieu et être chrétien sont beaucoup plus puissants, plus forts, et cela vaut vraiment tous les changements que vous avez à subir. Y a-t-il de l'espoir pour toute personne dans les sectes et le satanisme? Il y a juste une joie incroyable. Il y a un pardon incroyable en Jésus et en Dieu le Père. Et je recommanderais à tous ceux qui sont dans le satanisme, arrête-toi, et regarde la puissance. Va à l'église, et lance le défi, à Dieu. Va dans les réunions de prière, et laisse les gens prier pour toi, et voir ce qui se passe. Je n'ai rien à commenter au-delà de ça. Je veux que vous sachiez que c'est réel. Il est réel, il est réel. Jésus est la réponse à tous les problèmes que vous avez. Pas la religion. Mais Jésus. Comprends-tu? Connais-le intimement.